Utilisez le diminutif d'Elan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même ? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anari n'utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. J'aimerais jeter un œil à ces objets rares et merveilleux. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine, vous ne serez pas déçus. Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux articles ? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine, vous ne serez pas déçus. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis ? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Saphiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniquée. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordé. Quel est cet endroit ? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est ? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Ravi. Bienvenue, humaine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Amical, c'est un bonheur inouï de voir la race humaine parmi nous dans la Citadelle. Vous n'aimez pas cet endroit ? Il y a tellement de choses à voir et à faire. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie ? On se connaît ? Vous, non. Moi, oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la Citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant ? Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours.
J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Mouais. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Du calme, soldat. Je viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Vous ne l'avez jamais vue, hein? Jamais, hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Content de vous revoir, commandant. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupé. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là, c'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous.